J'ai trouvé des nouveaux objets étranges venus du Japon. Vous savez, ce pays totalement normal si vous consommez du LSD. Je vais essayer ces objets what the fuck juste pour vous car vous êtes 9 millions d'abonnés. Et pour fêter ça, pizza, poisson cru. Tout d'abord, un jouet pour apprendre à manger du poisson avec des baguettes. Top de l'éclat, super sympa pour les enfants. Il me semblait que dans le jouet, il y avait la notion de jeu. Là, c'est le pire cadeau du monde. Joyeux Noël, tiens, un jouet. Je peux changer de famille ? Non. Qui dit Japon dit technologie avec ce petit boîtier qui fonctionne comme une alarme mais qui balance le message qu'on veut en fait. C'est très pratique pour se souvenir des trucs. C'est un peu comme un post-it mais en 100 fois plus cher. Je vais enregistrer un message que vous m'envoyez tous les jours par mail, comme ça au moins je l'ai bien en tête. Fais plus de vidéos ! C'est transféré là-dessus, maintenant on va le mettre là. Ferme ta gueule. Antoine Daniel, je te lègue cet objet. Encore un objet pas technologique, mais que les Japonais ont rendu technologique, la raquette de ping-pong, qui fait le bruit d'une partie de ping-pong, voilà comme ça. Plus besoin de table, plus besoin de balles, plus besoin d'amis, plus besoin d'estime de soi. Smash. Je fais quoi là ? Petite astuce pour vous, si un jour de pluie, vous voyez un mec comme ça, c'est que cet homme possède peut-être un parapluie avec le dessous d'une jupe d'une fille. On connaît bien le comment dire, le... Après, les gens font ce qu'ils veulent. Il faut juste être loin des écoles, finalement. Tu peux ne pas appeler la police, s'il te plaît ? Trop tard ! Oui, il est juste à côté de moi ! Je rentre dans sa culotte, du coup. Bon, ça va être compliqué de faire l'impasse sur un moment musical avec un instrument très noble en être massif. Ah non, pas du tout, non. C'est une peluche. À moins que... Alors non, je ne vais pas jouer de ce truc. Il me faudrait au moins une percussion, je sais pas. En concert tous les soirs, chez moi. Vous vous doutez bien que personne ne joue de cet instrument. Ok. D'après vous, quel est cet objet ? Réponse A, une boîte à bijoux. Réponse B, une boîte à bonbons. Réponse C, un chat qui te vole tes sous. Et bah c'était la réponse C. Et tu peux même le duper. Eh ben non, il est trop con. Alors là, on tient un truc que j'aurais rêvé avoir au lycée, parce que moi, en cours, je passais mon temps comme ça. Mais cet effort constant de soutenir sa tête comme cela crée des tensions hein, dans l'avant-bras, parce que oui, c'est douloureux l'école, et ça, les Japonais l'ont bien compris. Le bras repose-tête. Merci les Japonais. Comme ça, je peux faire ce que je veux de mes deux mains. Comme par exemple, ne rien faire. Allez, top là. Un bras repose-tête, comme c'est mignon. On arrête un peu les conneries là, il y a des choses plus graves dans la vie. Quand tu veux regarder ton smartphone dans ton lit et que t'as mal au bras, bah voilà. Parlons des choses qui fâchent un petit peu, merci. Grâce au bras articulé pour smartphone, qui charge en plus, c'est très bien pensé, je peux regarder dans mon lit une vidéo sur la reproduction humaine tout en ayant les mains libres. Cet homme est une grosse merde, ne prenez pas exemple sur lui. Le moment beauté du Japon. La dernière fois, je vous ai demandé de ne pas faire de screenshot et vous n'avez pas du tout obéi. Cette fois-ci, je vous le demande, s'il vous plaît, ne propagez pas mon visage. Je compte sur vous, c'est pour vous que je fais ça, alors respectez-moi. Je vais utiliser cet objet désormais. Déjà, ça donne pas très envie sur la boîte. Bonjour, ce masque de Hannibal Lecter sert à se muscler le visage grâce à 3 minutes d'exercice par jour, c'est écrit sur la boîte. Ça doit raffermir les muscles du visage, mais ils ont oublié un petit effet secondaire qui se situe juste ici. Avant le masque d'exercice facial, après le masque d'exercice facial, pas de capture d'écran, ok? Je compte sur vous. Bon, cet objet qui ressemble à une arme de torture est en fait... une arme de torture pour avoir le nez parfait. Il suffit de se l'enfoncer comme ça dans les narines. Il y a même une petite pile. Voilà, et de le porter pendant 3 minutes par jour. Ah, 3 minutes comme le masque d'Hannibal Lecter. Ah ben comme ça, on peut combiner pour gagner du temps. Oh, pardon, excuse-moi, je... Fais plus de vidéos ! Tu voulais un truc, tu... Non. Ma vie, c'est ça. Il est temps de passer à quelque chose de beaucoup plus divertissant, le combat de robots. Après les pouces... Maintenant, on a carrément une télécommande. C'est robotisé. Waouh. Oh, c'est génial. Allez, c'est parti. Oui, c'est de m'avoir. Boum. C'est en 27 rounds. À 27 cette fois. Oui. Oh bah tout seul. Il est tombé tout seul. Viens me battre. Oh, il faut une petite passe, mec. Oui. Oh, pas la caméra, pas la caméra. Pardon. Arrête. Je vais tomber. Arrête.
Oh, à l'amiable. Ralentis sur ce move. Pose de super-héros. À quoi ça, cette roulette? C'est pas... japonais, je prends une photo. La rotation de l'engrenage de l'explosion, oui. Quoi? Il y a un ressort derrière qui est cassé. Ah si! Ah si, mon gars! C'est à ça que ça sert, en fait, la roulette. Ça le met un fire. T'as vu comment il est vénère en mode fire? Qui gagne ça, il a tout gagné. Celui qui gagne ça, il a tout gagné. Attends, attends. Eh, oh, oh, oh. Okay. Respect. À défaut de faire des trucs très impressionnants, c'est gracieux. Ça fait les belles dents, c'est gracieux. Très gracieux. Check. 1, 2, 3. Ce qui est bien au Japon, c'est qu'ils ont un temps d'avance sur la mode. Ici, par exemple, pour être frais, il faut porter quoi? Une casquette? Nul. Eux, ils ont beaucoup mieux. Un casque de samouraï gonflable. Élégant, discret. Bah, un petit peu avec tout style de tenue. Peut vous sauver d'une noyade. Alors, je sais très bien ce que vous allez me dire. Ouais, mais Cyprien, t'as un casque de samouraï, mais t'as pas l'armure. C'est nul. Je suis bien d'accord avec vous. Vous avez parfaitement raison. Admirez cette magnifique armure de samouraï. Voilà, faite en carton. Extrêmement résistant, ça résiste aux balles. Au katana, faut juste faire attention à la pluie. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais Cyprien, si seulement t'étais un petit peu plus intimidant, avec un masque d'un personnage de Dragon Ball Z par exemple, et ben je suis bien d'accord. Ça sent les chiottes. Alors, pour YouTube, je crois que c'est un masque de beauté en fait, pour la peau. Parce que je ressemble à Freezer, je suis le cousin roumain de Freezer. Me voilà prêt à affronter le monde, moi samouraï Freezer avec le truc en... le bras... Ouais, tu repasse. Maman, si tu regardes cette vidéo, je continue à voir mon psy, hein. Ne t'inquiète pas. C'était ma petite vidéo pour fêter les 9 millions d'abonnés sur ma chaîne, donc un énorme merci. J'espère que je suis extrêmement séduisant et que je vous plais énormément, j'en doute pas une seule seconde. C'est un énorme honneur, voilà, d'avoir autant de personnes qui me suivent sur YouTube pour faire des trucs très très sérieux, hein, comme vous pouvez le remarquer. Oh. Vous le savez peut-être, mais quand on a 10 millions d'abonnés, YouTube nous envoie un bouton en diamant. Même si je crois que c'est du métal et du verre, mais c'est en forme de diamant. Donc peut-être, grâce à vous, je serai la première personne en France à recevoir ce bouton. Qui sait? Quelqu'un d'autre peut-être? Je ne sais pas, mais en tout cas, si on y arrive, ce serait exceptionnel. On va y arriver. Encore merci. Et à très vite dans la prochaine vidéo. Parce que je crois que j'ai un post-it qui coûte cher qui va me le rappeler. Top là.